trop pas, il se passe un truc là. Qu'est-ce qui arrive, comment, c'est aussi un poussé une nouvelle tendance pour pousser les parfums. Vous travaillez avec des leaders de tout le monde? On travaille avec les Kainstein. Les Kainstein, on prend Kainstein, on la vanille. Quand on a un manque d'inspiration, on se choisira si on garde le temps passé. Ça nous inspire aussi, parce que nous, on va prendre des choses très commerciales. Oui, Oui, parce que votre collection intègre aussi une couleur. Voilà. Côté passion, on va montrer comment on a fait la couleur. On forme derrière les coiffeurs de chaque région à sa collection pour se dire voilà, vous avez cette coiffure. Nous, on a une technique du coup pour vous apporter cette couleur, cette couleur. Et on exporte la couleur. Ah oui, c'est... Alors je vais essayer vous de faire pardon pour former les coiffeurs coréens aux tendances françaises. Soit ils sont très friands, soit ils sont. Ils ont conscience qu'en fait on a un savoir-faire, donc on a ce côté tendance. Donc nous allons pas pour moi ça repasse dans la production, dans la création, le manque de tout, créativité avec nous. Notre force, c'est de créer des collections et d'ailleurs dans la Shanghai, Après, ça va dépendre aussi des collections avec les Français, ça pourrait marcher partout et tout, relativement dans les pays. Donc, Alors, les amis, nous avons Madame Agnès Pagnot-Runacher, la secrétaire d'État. Pas dit de bêtises. Non, non, c'est bien ça. C'est ça, hein. Salut. Salut. Tu vas bien? Ça va? Ça, c'est le truc qui est magique. C'est pas politique, mais c'est pour montrer notre concitoyen vers là. Mais c'est faisable. Mais du coup, Mélissa, tu vois, c'est chez nous, s'en servir. Ouais. Elle a obtenu l'année dernière. Et là, elle termine sa première année de vraie production. D'accord. En général, on a un on a des enfants, on a des enfants, on a également un représentant de la ville qui est présent. Voilà, donc c'est un des adjoints de monsieur le maire. Et sans conservateur, vous avez vu, si vous avez des bois sales, c'est bien. Commence tout doucement à apparaître les champs parsemés. Mais encore une fois, c'est une utilisation, c'est un autre espace. C'est compliqué, les champs parsemés. On est encore un peu. Je pense que les labos, les chimistes, ça travaille dessus. Ils vont essayer de les trouver. Peut-être pas tout ce qui est alimentaire. Et la demande progresse doucement, en fait. C'est-à-dire que la qualité. Là, on a mis nos clients à avoir une très bonne qualité de cheveux,
trop des qualités de produits onctueux, ça mousse. On va dire qu'en même temps, c'est aussi l'éducation que nous, on doit faire à nos clients. C'est quel produit on croit, vous voulez du naturel, oui, on veut. En ce moment, il y a les fils de M. Schneider Bernard, Benjamin, qui ont encore fait la secrétaire d'État, Agnès Pannier, Menaché. Vous voyez, derrière moi, là. Donc, il est en train de faire un super coup et tout. Maintenant, je pense que il faut aussi que nous, quoi faire aujourd'hui. Si demain, le produit n'est pas assez bon, il faut faire le jeu. Tout ça, c'est de dire on perd l'argent, on ne va pas. Ouais, je pense que c'est chacun qui a le droit de faire la place le mardi. C'est pas forcément là pour le coup, c'est pas du tout commercial. On juge plus la technicité, la beauté de la chose, la précision. Benjamin qui fait un excellent travail, qui est très connu dans la région, hein, Bernard. Et Bernard, tu es prêt pour l'artisanat, pour l'apprentissage, tous les ans il envoie des apprentis, tout ça. Donc je voulais savoir, pensez quoi de notre belle petite ville de Roubaix. Écoutez, pour le moment, je suis remarquablement bien accueillie, j'aurais presque envie de rester si j'avais ma petite famille avec moi, ça aurait été parfait. Ça sert pas mal de belles choses à voir, hein, notamment petit musée, tout, avec les pièces romaines, parce qu'à l'époque, on m'a tout ça, c'était bon comme un tout. D'accord. Donc, c'est un peu mal de belles choses. Et qui sont comme les seuls, je ne sais pas trop, bien entendu, ce qu'on dit. Moi, je suis un peu gêné là, je t'en prie. Je sais bien qu'on m'a fait le coup de vedette hollywoodienne, mais ouais, j'ai pas l'habitude, moi aussi. Alors, on est très content que notre Bernard, justement, représentant de la défense de toutes ses valeurs, et qu'on a beaucoup de chance de l'avoir. C'est vraiment un homme d'exception. Hein. Et au fur et à mesure de fréquenter notre Bernard, est-ce que vous avez appris quelques petits mots en adresse, des expressions? Alors, non, j'ai pas appris de mots en adresse, mais je vais vous faire une confidence. Je mon nom de naissance, c'est Menaché en fait. Et c'est originaire du sud de l'Alsace. Simplement, ma famille habitait en Alsace il y a plus d'un siècle. Parce qu'il ne pouvait pas m'allier à l'Allemagne. Parce qu'on me connaît bien la région, et puis je suis partie de cette région. À Strasbourg. Il y a plus d'Allemagne. Je ne vais pas vous embêter depuis longtemps, j'étais un peu gêné d'habitude, j'ai plus d'enfants de maçon, mais je suis un peu. Ça me rend mal. Il ne faut pas. Et puis, voilà, c'est juste pour informer la ville. Il faut qu'on se revoie une autre fois, on prendra un petit voilà. Aspirine ou des clôtures. C'est un plaisir, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci. Et comme on dit chez vous, ma rose ça arrive le sang. C'est dans ça, c'est. Un peu. Alors, donc la secrétaire d'État, elle repart. On va monter tout ça, hein. On va filmer tout ça pour les archives. Hein. Voilà. Voilà.
Allez. Voilà, ils repartent.